Salut à tous, c'est Ru. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode, si je sais bien compter, de notre folle aventure sur Banjo et Kazooie. Je vais aller dans le cinquième level. Normalement, j'ouvrais la dernière fois. Attendez, je vais m'y rendre le temps que j'y aille. Il est un peu plus loin là-bas. Normalement, c'est le monde de glace. Et on devrait rencontrer un de mes persos préférés de Banjo et Kazooie. L'ours, alors là-bas c'est les marées que j'ai faites la dernière fois. Il manque une pièce de puzzle à les récupérer. J'ai aussi la pièce de puzzle normalement du niveau de la sorcière à récupérer. Bon allez, j'ai quand même quelques pièces d'avance, hein. Il fallait 200 et quelques, déjà 400. Pérou, est-ce qu'il faut que j'aille? Alors, mémoire, il y a un truc par là. Voilà, ça va être un chaudron, je crois bien. Oula, il y a un ennemi qui m'attend. Double galipette, il est mort. Ah non, c'est la plateforme, ok. Voilà. Ça va me permettre de rentrer dans le... dans l'urne. Normalement, ça me fait descendre l'étage d'en dessous pour récupérer la pièce de pulse. Alors, on va attendre que ça arrive. Hop! Et voilà! La pièce de puzzle du marais dans le repère de Grandfilda est prise. On va pouvoir passer au suivant. Donc, il faudra que je revienne vite fait dans le marais battre Monsieur Vril avec les chaussures. Donc, on m'a dit dans les commentaires qu'on pouvait battre sans les chaussures. Moi perso, j'y suis jamais arrivé. Enfin, la première fois, si, c'est facile. Mais la deuxième fois, c'est vraiment très dur. Hein. Ça se joue à pas grand chose. Je suis un peu où faut que j'aille là. On va aller voir par là ce qu'il y a. On va explorer un peu le repère de la sorcière. Ah, le monde de glace est là-bas. Je mange souvent par catalogue. Je vais mettre après bien un hot dog. Ça, mes braves, c'est de la rime. Hein. Faut combien de notes là? 450, j'en ai pas encore assez. Et là-haut... Ah oui, il faut que j'aille libérer tout ça. Je vais le faire maintenant, ça sera fait comme ça. Il faut que... Hop! Je balance des œufs dessus. Voilà, on va réactiver le chaudron. Tu viens d'activer un chaudron magique! Trouve un chaudron de la même couleur. Ouais, ça, je vous expliquais, c'est les téléporteurs. Hop! Ah, elle a fait Brentilda. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? L'horrible Gruntilda mange des tétards à la crème au petit déjeuner. Elle se prépare aussi des tartes à la bouse pour son dîner. Et la dernière, pour finir, son dessert favori est le rat en sorbet. Affreux. Ok. Bon, allez. Hop. Ça me servira tout à l'heure. Ah, là-bas je peux aller l'ouvrir ça. Ouais, hop, ça sera ouvert comme ça. Mais on va aller faire le monde de la glace. Normalement j'ai pas un autre toile d'araignée par là. Si, voilà, un autre chaudron. Ça me fera un raccourci je crois. Oui, voilà, c'est celui premier que j'ai activé. Ok, donc le premier raccourci est créé. Ça y est, tu as créé un raccourci. Saute à l'intérieur. Allez, normalement, le level de la glace, je l'avais ouvert, de mémoire. Ouais, il est ouvert. Hop. Alors, en haut, c'est pour plus tard, il me faut les bottes, enfin, les chaussures de rapidité, je crois bien. Ouais, si. De mémoire, j'enclenche... Ouais, il faut les chaussures de rapidité, c'est ça. J'enclenche un interrupteur qui va me permettre de voler. C'est pour ramasser la pièce de puzzle de ce niveau. Allez, on rentre dans ce level-là. C'est parti. Niveau 5, Banjo et Kazooie. Un nouveau mouvement t'attend. Dans ce monde, bonne chance. Ok. Alors... Dans le igloo, j'irai tout à l'heure quand j'aurai récupéré
les cadeaux. J'ai mal au ventre, je n'aurais pas dû avaler ce gros truc brillant. Quelqu'un peut-il aider le pauvre Bogey? Alors normalement ça marche pas ça. Ouais, on n'est pas assez puissant. Il va falloir monter tout là-haut. Du bonhomme de neige. Allez, chercher les pièces et notes de musique là-bas. Oh là là, il y a des vilains bonhommes de neige qui ont canardé. De boules de neige tout le long. Ok, ça c'est récupéré. Je dirais que tout à l'heure c'est pareil, il faut pas que je mette les pieds dans l'eau parce qu'elle est gelée. Et ça va me tuer direct. Allez, on va aider nos copains. Ah bah décidément j'arrive pas à sur le paquet. Voilà. Nous sommes les Twinklies. Protégez-nous et empêchez les mangeurs de Twinklies de nous croquer. Si suffisamment d'entre nous traversons le pont, l'arbre sera éclairé. Allez, faut qu'on les protège. Oh, le piège. Voilà, allez. Allez les petits, dépêchez-vous. Garde du corps de Tuki. Non, il s'est fait manger. Voilà, c'est bon. On a aidé les Tuki. Fiu, c'était juste. Mais nous y sommes. Allume vite. Alors attention, il y a un glaçon. Ces ennemis-là, moitié invisibles. Qui se divisent, se redivisent. Ah non. Il y en a cinq qui se divisent, se redivisent, etc. Ouais, brille comme une étoile. Et tu seras récompensé. Ah mince. Je me dépêche d'aller au truc de vol. Il est là-bas, je crois bien. Il est là, le truc de vol? Non, ah, il est là. Faut que je passe à travers l'étoile. Hop, allez, on y va. Ah, faut le faire trois fois, ouais, c'est vrai. Hop. Deux. De toute façon, trois, c'est le nombre magique dans les jeux vidéo. Hein. Je faisais remarquer, mais un boss, souvent, faut faire trois, le toucher trois fois. J'aime bien faire ça trois fois dans les jeux vidéo. Bon allez, j'ai déverrouillé l'étoile. Ah, l'étoile, la pièce de Pearl, je vais aller la chercher. Oula, ouais, j'étais un peu trop. Ça sent le crash. Allez, on va chercher l'étoile qui est dans le sapin. Gabouga, voilà, hop. Allez, normalement dans le sapin, faut pas que j'oublie. Ah, il y a le cadeau. Très important. Je suis un cadeau. Donne-moi à quelqu'un de triste. Hop. On va essayer d'oublier aucune note de musique. Normalement, ce niveau, on peut le finir à 100% du premier coup de mémoire. Ok. Où est notre ours? Ah, il est là. Il était caché par le tronc d'arbre. Et voilà la première pièce de Pulse. Oui. Allez, hop, on va redescendre. Prendre quelques plumes rouges. Apprendre le nouveau pouvoir de Bottle. Moi, je suis déjà 50, ça sert à rien. Voilà. Chercher les notes de musique là-haut.
le Jinjos. Voilà, faut faire super gaffe parce que les bonhommes de neige visent super bien. Voilà, ça, ils arrivent même des fois à anticiper votre déplacement. Regarde, oh là là. Faut que je mette sur Kazooie, il n'y a que Kazooie qui glisse presque pas. Allez hop, le Jinjos, on l'a eu. On va par la bottle pour avoir notre attaque piquée en volant. Il est temps de fendre la brise grâce à mon attaque Bombec. Il était temps, Akush. Une fois en plein vol, appuie sur X et Kazooie foncera comme une fusée. Fais bien attention sur quoi tu fonces, car chaque attaque te coûtera une plume rouge. Bon, j'ai appris tous les mouvements. Non, en sachant que si je... si je fonce à bout portant sur un mur, je peux me faire très mal. Hein. Donc, faut pas non plus y aller comme un gros bourrin. Attendez. Je crois que j'ai commencé direct par éliminer les bonhommes de neige. Ils m'embêteront pas comme ça. Oula, on dirait de la DCA quoi. Mayday, mayday. Allez, on vise le chapeau. Et c'est parti. Et deux. C'est ça ta Bombec. J'adore cette attaque. On vise le chapeau. Et deux, deux. Et il y a une alvéole de cachet ici. Ok. Normalement, faut tuer tous les vilains bonhommes de neige. Feu! Mince! Oui, on l'a eu aussi. Allez! Là, il y a Monsieur Morse. Faut que je me. Mambo dans ce niveau va me transformer en Morse. Faut que j'aille là-bas. Voir Monsieur Morse. Attention! Feu! Hop! Feu! Et voilà! On les a tous eus. Ça me déverrouille la pièce de Pearl, j'ai une alvéole de découvert, j'ai le socle de la sorcière de découvert aussi. Tant qu'on est dans les airs, on va aller détruire. Les boutons. Gros gros bonhomme de neige, parce que si au milieu c'est un énorme bonhomme de neige. Et que ce bonhomme de neige, voilà, il a des boutons. Alors ça qui était un petit peu dur dans Banjo-Kazooie des fois, c'est que... Pour trouver certaines pièces, il n'y avait aucun indice, quoi. Fallait vraiment le savoir, qu'il fallait foncer sur les boutons. Ça ressemblait un peu à des cibles, c'était le seul indice qu'on avait. Et voilà. Une autre pièce déverrouillée. Je vais aller chercher celle qui est tout en haut. Quick. Vous avez même droit au bruitage. Mince, il m'a eu. Poc, poc. Et on reprend le combat. Voilà. Cette attaque coup de bec, je trouve que c'est une des plus puissantes dans le jeu. Allez, hop, Banjo, il est fatigué. C'est autant de Kazooie de prendre le relais un petit peu. Alors, on va descendre du chapeau tranquillement. Faut que j'aille dans la pipe du bonhomme de neige. Et normalement, j'ai un cadeau ici aussi, je crois. Voilà, donc je sais où sont les trois cadeaux. Brrr, j'ai froid, protège-moi dans ton sac. Oui, c'est pareil, pourquoi est-ce que Banjo porte-t-il un... Ah, il y a un dino, ça va. Un short jaune et un sac à dos bleu. C'est un des grands mystères. Banjo et Kazooie. Mince, il saute à côté. Oh, oh le crash. Failli mourir bêtement, là. Bon, il va falloir que je trouve une ruche pour me soigner. Parce que là, j'ai eu mal. Hein. Wouah! Tac, tac! Nanana. Oups! Alors, on va chercher le dernier cadeau qui est là. Amène-moi aux enfants! Je suis le dernier cadeau. Alors oui, ils sont dans l'igloo que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas comme ça que je fasse. Parce qu'en fin de compte, leur père, qui a fait une indigestion en avalant une pièce de Pulse, les a juste abandonnés pour le soir de Noël. Parce que dans son monde, on est le soir de Noël. Et même quand je veux l'avoir sauvé de l'indigestion, vous allez voir, il va pas retourner chez lui, il va aller faire de la luge et laisser ses enfants tout seuls. Ah voilà, un Jinjos ici, deux Jinjos. Pas de note de musique qui traîne.
faut que j'arrive à aller là-bas. Faudrait que je sois en morse, parce que le morse, lui, ne craint pas l'eau gelée, alors que moi, si j'y vais... Aïe, voilà. L'eau est trop froide pour toi, Banjo. Allez, on va faire tour là-bas. Je vais monter en haut du bonhomme de neige, parce que de toute façon, faut que je monte à pied sur son énorme écharpe. Ah ben là tiens, il y a un bloc de soins, génial. Voilà, c'est l'orgie de miel. Mmh. Hop. Et là j'adore, sur chaque case jaune, il y a une note, et sur les bleus, c'est une plume. Allez, on grimpe sur son magnifique écharpe. Alors la luge est là. On va la faire tout de suite. Alors faut déjà chercher le Jinjo sans tomber de préférence. Voilà, Jinjos. Jinjos, oui. Ah, je vais retomber. Ah non, j'ai peur, j'ai cru que j'avais refait une boulette. D'ici, hop. Mince. Faut que j'aille tranquillement dans la pipe. Il y a normalement une pièce de pulse. Voilà. Oups. Mince, c'est pas dans ce niveau qu'on apprend le truc pour être rapide. Oh, je m'en souviens plus. Iga booga. Je vais mieux, tu as trouvé mon traîneau. Je vais m'entraîner pour la grande course. A plus tard, mon ami. Ah, voilà. Ces enfants ont toujours pas de cadeau de Noël. Hein. Je vous le rappelle, hein, ils nous ont abandonnés. Allez, on va leur aller rapporter leur cadeau de Noël. Et de 5... Oula, oula, oula. Ah, c'est pareil, ce niveau, je vais pas le finir à 100%. J'ai besoin des chaussures de rapidité. Je sais plus dans quel niveau j'apprends ça, les chaussures de rapidité. Regardez, ils sont tous tristes. Allez, on leur donne des cadeaux. Et de 1, et de 2, et de 3 cadeaux. Génial, on a tous nos cadeaux. Voilà quelque chose pour toi. Et regardez, maintenant la musique change, ils sont tous contents. Pam 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 nan nan. Oh. J'adorais regarder les 4 quand j'étais plus jeune. Hein. Regardez là, il y a Banjo Kazooie, ils se connaissent pas mais ils ont une photo de nous dans leur appartement. Ça fait un peu peur. D'ailleurs, je sais pas où ils dorment. Hein. Je sais pas comment ils se font à manger. Mais enfin, je suis dans un jeu. Je me pose trop de questions. Ils ont juste une table en glace et un fauteuil en glace dans un tout petit igloo. Ok, maintenant faut que je me rappelle, parce que je commence à avoir trop de mémoire. Donc, non, pour finir ce niveau, j'ai besoin des super chaussures, mais je les aurai pas. Vu que les super chaussures, je sais pas dans ce niveau-là que je les ai, je crois pas. Ah, j'ai oublié d'aller chercher ça tout à l'heure. Hop. Pas se tremper, alors là c'est super chaud parce que l'adhérence avec Banjo elle est pas facile parce qu'il glisse vu qu'on est sur de la glace. Ok, j'ai un nouveau Igabouga. Igabouga. Ah bah non, c'est celui de tout à l'heure ça que j'ai activé. Ah, oh, j'en souviens plus. Oui, appuie sur X en plein vol pour utiliser l'attaque bombée. Quoi, ok. C'est bon, Wooza peut se balader maintenant. Il a peur de moi, enfin contre Wooza. Yeah, un méchant ours carnivore. Donc faut que je sois déguisé en morse pour aller le voir, sinon il a peur de moi. En haut il y a une vie, et normalement ça c'est l'arrivée de la course. Et j'ai aussi un Igab... Oh non, c'est une vie.
Donc, des pièces de Pulse, j'en ai... une avec le Morse, une avec en ramassant tous les Jinjos, et normalement, je suis aussi censé en avoir une autre, deux autres en terminant la course. Par contre, les Jinjos, je sais plus où ils sont. Ah, j'ai encore un crâne Igabuga là-bas. Un crâne Mambo. Hop, on y va. Alors, on va voir. L'autre, normalement, il peut pas. Parce qu'il faut jouer en Morse pour aller l'affronter. Encore bonjour. J'attends quelqu'un avec qui faire la course. On va te pulvériser. Désolé, mais vous êtes trop gros pour mon traîneau. J'attends quelqu'un de plus petit. Et après, on fera la course, mais en étant Banjo-Kazooie avec les chaussures de vitesse. Et elle est pas facile, cette course-là, parce qu'on n'a pas le droit vraiment à l'erreur. Vous verrez pourquoi. Donc, les notes de musique qu'il y en a là-dedans. Pourquoi j'ai pas de bot pour aller chercher... Bah, c'est pas grave, je vais y aller en volant. On va tenter de faire un... Ça passe. Et tombe. Allez, au passage, on va aller prendre la vie. Voilà. Alors, c'est combien de crânes, hein? C'est 20? 25? 15? Ah, bah, j'ai largement ce qu'il faut. Ah, il y a un Jinjos. Je l'entends. Hop. Décidément, il est horrible, ce Mambo. Il séquestre des Jinjos, il cache plein de trucs. Et le Jinjos, il est chez Monsieur Morse, normalement. Ok. Allez, transforme-moi. Yeah, Monsieur Morse. Oh, Banjo tout gros et grand dedans. Banjo, les pas beau. C'est sympa. Regardez-moi comment est-ce qu'il est fun, ce mou. En Morse, le Banjo. Voilà, on va pouvoir récupérer les pièces, aller faire la course, aller voir Monsieur Morse. Et il faudra jouer dans ce niveau-là avec les chaussures de rapidité. Je me souviens plus dans quel niveau on les a. Parce qu'après, de mémoire, c'est le désert de Gobi qu'on fait. On va peut-être dans le désert de Gobi. Ah oui, on doit les avoir dans le désert de Gobi, les chaussures. Et 100. Hey, on a les 100 notes. Par contre, les alvéoles, j'ai pas eu toutes les alvéoles, je crois pas. J'en ai qu'une. Ah, j'ai qu'une alvéole. Oh, ok. Bon, c'est déjà ça de moi à faire. Allez, on va aller voir Monsieur Morse. Qui me donne sa gentille pièce de Pulse. Putain, ce jeu, à chaque fois qu'il joue, faut que je chante les musiques. Elles sont tellement bien. Ah, Monsieur Morse! Ouais, on est tous contents de se voir. Allez, on saute pour se dire bonjour. Ouah, un autre Morse! Prenez ceci! Faites bien attention, un ours puant et un oiseau dingue rôdent dans le coin. Hop, hop. Allez, ça se trouve l'alvéole. Je crois bien qu'elle est peut-être là-dedans. Ah, mais faut revenir en ours là-dedans. Je m'en rappelle. Jinjo, c'est là-haut, je peux pas monter. Bienvenue chez Wooza. Faites comme chez vous. Ah, il faut aller en dessous. Il y a un petit passage. Voilà, l'alvéole est là et le Jinjos. Ok, bah je vais tout avoir, nickel. Par contre, je fais vite ramasser tout ce qui traîne derrière, parce que je peux pas le tuer, je prends juste la vie. Enfin, la vie ne sert à rien, parce qu'à chaque fois que je relance le jeu, je repars à 3 vies. Alors pour le moment, j'ai pas encore perdu une seule vie, hein. Je tenais à le préciser. Je vais voir si j'arrive à ne pas perdre de vie en allant jusqu'au bout. Quoique le combat final là, contre Gruntilda est pas facile. Hein. Bon, j'arrive pas à faire le morse par contre. Allez, on va faire la course de luge. La course de luge. La course de luge.
on se retransforme en ours, on va chercher le Jinjos, et la dernière pièce de Pulse, bah, il faudra revenir avec les super bots. Et avant de finir l'épisode, j'ai recherché la pièce de Pulse qui est cachée dans le repère de Grundilda, la vilaine sorcière. Allez, Banjo, avance! Qu'est-ce qu'il est lent! Allez, c'est parti pour la course! Bonjour, monsieur le Morse, on fait la course? Sautez sur le traîneau si, si ça vous tente. Allez. Par contre, la course, je suis pas sûr d'y réussir du premier coup. Génial! Vous devez diriger votre traîneau et traverser toutes les portes jusqu'à l'arrivée. Êtes-vous prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Bien serré le virage. Parce que je crois qu'il met une mise en ligne droite. Ouais, il est plus rapide que moi en ligne droite. Et moi, je dois être plus rapide que lui en montée, je crois. Faut faire gaffe parce qu'il peut nous pousser, cet enfoiré. Ah, c'est qu'il est plus rapide que moi tout court. Hein. Ah, il essaye de me pousser pour que je perde. Tricheur. Oh là là, le monsieur Morse est en tête, suivi de bruit de Wahé. C'est ça le Wahé que je mettais tout le temps. Wahé. Le monsieur Wahé. C'est serré. Ah, il m'a doublé. Ah, j'ai pas perdu sur la fin. En plus, il se fout de ma gueule. Mince, il a pas compté. Oh, c'est dégoûtant, j'étais passé. En plus, c'est la fin, là. Oh, là, je me suis fait carotter à la fin. Non, allez, je peux encore l'attraper. En montée, je suis plus rapide, j'ai dit. Oh, petite accélération. Wahé. Wahé. Et c'est la victoire de Monsieur Morse qui devance largement Monsieur Ours. Fouille, vous êtes trop rapide pour moi, Monsieur le Morse. Voici votre médaille. Je ferais mieux de défier quelqu'un de ma taille. Et donc, le prochain défi, tout simplement, ça sera Banjo et Kazooie en forme normale, mais avec les chaussures de rapidité. Et là où ça va être dangereux avec les chaussures de rapidité, c'est avec le Morse. Je peux tomber dans l'eau accidentellement sans faire exprès une fois. Moi, ça me fait rien, mais par exemple, quand je serai avec Banjo et Kazooie, avec leurs chaussures de rapidité, si jamais je tombe dans l'eau gelée, ça annule mes chaussures de rapidité. Donc, j'ai pas trop le droit à l'erreur, en réalité. Allez, on se retransforme en ours puant et en oiseau dingue, comme disait Wooza le Morse. Pour justement aller chez lui, on va lui faire peur un petit peu. On va aller mettre la pression à Wooza et aller récupérer le Jinjos. Allez, dépêche-toi. Allez, retransforme-moi. Merci, Mambo. J'essaie de prendre un raccourci, je suis pas sûr que ça marche avec mon jeu qui est, enfin, en forme comme ça. Je glisse là. Ouais, non, j'étais sûr. Voilà, faut que je me dépêche de sortir de l'eau. Oh là, 2 carrés de perdu. Et de 3. Oh, j'ai pas ma première vie en nageant dans l'eau, quoi. De 4 carrés perdus. Allez, c'est la fête. C'est la fête du short à Banjo. Allez, viens par ici, toi. Normalement, il devrait avoir peur de moi. L'horrible ours et son oiseau bruyant sont revenus. Laissez-le pour vous à tranquille. Je te veux pas de mal. Hein. Ping ping. Donc là, normalement, dans la version 64, il y avait une vitre. Et là, vous avez un œuf. Alors, j'ai déjà ramassé un mon autre sauvegarde qui permet tout simplement de débloquer des bonus pour Banjo et Kazooie et Nuttlebots, la version 360. Hop, allez, on sort. On va pouvoir ressortir du niveau. Je vais éviter d'aller me rebaigner. Ah,
Ah, il y a un truc de miel. Attends, je vais y aller. Voilà, j'ai gagné 3 carrés. Et de 2. Et de 3. Oula. Bonjo, il a bu trop d'hydromel. Il n'arrive pas à marcher droit. Allez, on va partir d'ici. Yo. C'est comme ça, c'est plus rapide. Ouf. Oh la vache. J'ai à peine éraflé le bord de la falaise et ça m'a fait... ça m'a démoli. Allez, on sort du niveau. Tant que j'ai pas les chaussures de rapidité, je pourrais rien faire. Vite, monte. Bon, je vais me faire canarder par les autres. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une vie? Ah, les chaussures. Ah, mais mince! Mais je peux même pas. Il me faut les chaussures de rapidité pour aller chercher. Aller chercher la pièce de Pulse que j'ai ouverte. Je peux même pas le faire. Bon, bah c'est pas grave, voilà. Le niveau 5 est bien avancé. Il faut juste que je débloque les chaussures pour pouvoir aller plus vite. Sans ça, je peux plus rien faire. Ce qui fait que là... Voilà, 100 notes, 9 sur 10, il m'en manque une à récupérer, c'est la course à faire avec les chaussures. Et 2 sur 10 en 25 minutes 45. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 3. Puis moi, je vous dis à bientôt pour continuer les aventures de Banjo-Kazooie. Salut!